Fatou, c'est bien que tu es venu ici, Fatou Melo. C'est bien que toi-même tu es venu ici. Donc, je vais parler de toi. Parce que c'est toi qui es en train d'attiser ce feu-là qui parle, qui est en train de mettre les tortues jaunes en erreur. Parce que c'est toi qui as publié sur ta page en prenant Konaté et Doumbouya, que c'est le pouvoir mandin. Le pouvoir est fait que pour le mandin en Afrique et partout au monde. Mais Fatou, il faut savoir une chose. Si tu ne quittes pas dans ce que tu es en train de faire, tu te fais du tort. Tu vas te faire des ennemis. Tu en as déjà. Mais à mon avis, tu ne devrais plus continuer dans ce que tu es en train de faire. Fatou, je te conseille. C'est mon petit conseil pour toi. Ces publications que tu es en train de faire, on ne soutient pas un parti en parlant d'ethnie. Ce n'est pas bon. On ne soutient pas sa position politique en parlant d'ethnie. C'est pas bon. Il faut que tu arrêtes. À cause de toi seul, tu es en train de mettre les bonnes personnes qui ont milité pour Alpha Condé et qui ont été trahies par Alpha Condé. Tu es en train de salir toutes ces personnes-là. Toi, tu veux juste te faire plaire pour dire que voilà, le pouvoir est ceci, le pouvoir est cela. Non. Fatou, que tu le veux ou pas, sache que le sang qui est en toi, le sang-là est guinéen. Le sang qui est en toi est guinéen. Fatou, que tu le veux ou pas, tu es vraiment, tu dois reconnaître d'abord que d'où je viens. Regarde, la nature. Tu sais ce qui fait la beauté de la nature? C'est ce mix-là. C'est ce qui fait la beauté de la nature. Tu trouveras des tomates, tu trouveras des gombos, tu trouveras des manguiers, tu trouveras tout. C'est l'union de tout ça là qui fait la beauté de la nature. C'est pareil qu'on parle aussi de nous. Moi, je suis Kissi. Tu es Peul. L'autre est Malinké. L'autre est Soussou. L'autre est Thomas. L'autre est Landouma. L'autre est Migifore. L'autre est Diakanké, Konianké. C'est ce qui fait la beauté de la Guinée. Parce que nous avons de multiples couleurs d'ethnie en République de Guinée. Tu ne me diras pas que tu vas renier ta propre famille parce que tout simplement tu veux te faire plaire aux gens. C'est ma première fois que je te parle. J'ai l'habitude de publier sur toi, de dire on va aller faire sortir notre petit frère en prison et autres là. Je fais ces trucs-là. Je le fais, je te taquine. Mais reconnaissons d'abord que nul n'est tombé de l'arbre. Nous sommes tous issus d'une famille. Et avant tout, nous sommes Guinéens, mais nous sommes aussi issus d'une famille. Nous sommes Africains, mais nous sommes avant tout Guinéens. C'est comme ça, nous sommes Guinéens, mais nous sommes avant tout aussi responsables de nos familles. Si tu es Fatou Nyeloui, c'est parce que tu dois être fier de ta famille Nyeloui. Mais tu ne peux pas, en restant à parler jusqu'à ce que tu ridiculises même ta famille. Pourquoi? Pourquoi? Ne fais pas l'acte des griots, parce que c'est pour cela moi j'ai dit que je peux tout aimer dans ce pays, mais il y a certains griots, je ne l'aime pas. Je ne les aime pas. Parce que seul un griot peut rester à faire les éloges de quelqu'un et insulte son père et insulte sa mère sans se rendre compte. Parce que c'est seul le griot qui peut te dire, depuis que Dieu a fait le monde, je n'ai pas vu un homme comme toi. Pourtant, c'est un homme qui l'a mis au monde. Vous entendez l'expression là chez les griots, oui ou non? Ou c'est un griot qui va te dire, depuis que Dieu a fait le monde, je n'ai pas vu une femme comme toi. Pendant que c'est une femme qui l'a mise au monde. Ça, ça ne se fait pas. C'est carrément insulter soi-même. Fatou, que tu le veuilles ou pas, la Guinée reconnaît que tu es Peul. Mais au-delà d'être Peul, tu es Guinéen et tu es en harmonie avec toute la Guinée.
Donc, tu ne peux pas t'attaquer à ta communauté. Parce que tout simplement, tu veux avoir une position dans un parti politique. Non, on ne joue pas la politique ainsi. On ne fait pas la politique ainsi. Lutte pour ta conviction, lutte pour tes idéologies, lutte pour les valeurs de ton parti. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oublie le problème ethnique. Oublie, même si qu'on trouve, moi je vois en longueur de journée, mais ça me plaît de voir comme ça les gens s'étirer entre eux. Mais c'est seulement toi qui peux aller faire capture là où beaucoup de personnes commentent, tu viens dire, c'est seulement encore telle communauté qui est là. C'est seulement telle communauté. En longueur de journée, tout ton problème, c'est des communautés. Communauté, 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 communauté. Arrête ça. Yandi, boro, sine, ambra, temi, enna. Bimam, boro.